Donc, cet outil-là, en fait, divise l'année en cinq périodes. Et curieusement, c'est la seule façon d'obtenir un chiffre complet lorsqu'on divise 365 jours. L'année se divise par 1, 365 se divise par 1, par 365, mais seulement par le 5 et le 73. Donc, si on apprend déjà à diviser cette année en cinq périodes, la première va s'appeler la semence, la deuxième va s'appeler la croissance, la troisième s'appellera la récolte, la quatrième période va s'appeler le bilan et la cinquième période va s'appeler l'introspection. Donc, on a donné ce nom-là à ces périodes parce que déjà, le terme lui-même transporte la caractéristique de la période. Quand on parle de la semence, alors on se voit au champ en train de faire des semences, de planter des graines. Alors, c'est ce que ça veut dire en réalité. Alors, quand à chaque année on passe à travers cette période-là, ça veut dire que c'est le moment propice pour nous de planter ces graines-là, de semer des nouveaux projets. Mais avant d'aller plus en profondeur au niveau de la description de la période, je vais vous parler des éléments qu'on va rencontrer sur cet outil. Alors, vous voyez dans le cercle à gauche, les dates du calendrier, en fait, c'est l'année au complet, les 12 mois et 365 jours. Ensuite, vous voyez le cercle à droite, vous voyez l'année comme telle qui est séparée en cinq pointes de tape identiques. Dans plein centre, qui est le rayon de la roue, vous avez une ligne noire. Cette ligne-là va nous permettre d'identifier la date de notre naissance sur le calendrier de gauche. Vous avez aussi une genre de courbe rouge qui forme un cœur, si on veut. Et cette courbe-là va, au cours des mois et des semaines, en fait, changer, fluctuer, se diriger vers l'extérieur de la roue pour atteindre son sommet au milieu de la récolte et en fait revenir par la suite pour retourner au centre. Je vous expliquerai tout à l'heure en quoi ça consiste. Pour chacune des périodes, ça a été subdivisé. D'abord, dans la première partie à l'extérieur de la roue, vous voyez le nom de la période. Ensuite, tout de suite en dessous, les caractéristiques de cette période-là. Ensuite, vous aurez les qualités à pratiquer et il y aura toujours le qu'est-ce que je peux faire pour. Donc, dans cette période du bilan, c'est bien sûr, si la récolte a été bonne, tout ça, ben, c'est l'accomplissement, c'est la reconnaissance, c'est la satisfaction et je suggère la fermeture de vortex. Pourquoi la fermeture de vortex? En fait, ben, pour ceux qui ne connaissent pas la signification de vortex, le mot vortex veut dire tourbillon, cyclone, tornade. C'est le mouvement que fait l'eau de votre bain lorsque vous tirez le bouchon pour le vider. C'est un cercle. Alors, un vortex, c'est quelque chose qu'on ouvre ou qu'on crée par la pensée. À chaque fois que vous allez faire une promesse à quelqu'un ou que vous faites une promesse à vous-même, vous ouvrez un vortex. Et ce vortex-là se transporte dans l'éther, dans l'univers, dans l'espace, en mouvement circulaire. Ça fait vraiment comme un petit tourbillon. Et un tourbillon, ça engendre toujours un espace vide au centre. Et cet espace de vide-là va être comblé par l'univers parce que l'univers ne tolère pas le vide. Il va chercher à combler ce vide. Alors, si ma pensée créatrice est la suivante, je veux aller à tel endroit, j'aimerais aller à tel endroit, mais j'ai tellement peur de faire un accident. Bon, il y en a qui ont peur de faire des accidents. Alors, c'est comme si la vie va me répondre. C'est comme si j'avais une pancarte ici dans le front, là. Frappez-moi quelqu'un. Alors, c'est ça que l'univers entend. La pensée créatrice va se réaliser. Je vais faire un accident. C'est la meilleure façon d'éliminer la peur. OK? Si j'ai peur de tomber, la meilleure façon que la vie va trouver de me chasser cette peur, c'est de me faire tomber. Il ne me reste plus qu'à me relever par après. Alors, il faut faire attention à ces pensées créatrices-là. Donc, un vortex, c'est quelque chose qu'on crée à partir d'une promesse qu'on va faire. Alors imaginez, si j'ai promis à Pierre qu'on allait aller à la pêche ensemble cet été,
Et là, je m'aperçois que l'été est passé, puis de toute façon, la pêche est fermée. Ce vortex-là, à chaque fois, moi, que je pense à Pierre et à la partie de pêche qui n'a pas eu lieu, je perds de l'énergie. Je perds mon énergie à chaque fois que je repense à Pierre. Parce que il me vient à l'esprit, j'aurais donc dû. Oh, il faudrait bien que. Et ça, c'est une perte d'énergie. Alors imaginez, il y a tellement de gens présentement qui sont en fatigue chronique. La simple raison, c'est qu'ils ont ouvert trop de vortex qu'ils ont oublié de fermer. Alors, si vous entrez dans votre bureau, par exemple, et votre bureau, il est vraiment en désordre, bien, à chaque fois, vous vous dites, ah, il faudrait bien que je fasse le ménage dans mon bureau. Mais à chaque fois que vous vous entendez dire ça à l'intérieur, là, faudrait bien que, et que vous ne le faites pas, vous perdez votre énergie. Et à un moment donné, bien, il vient un temps où ça devient tellement gros dans notre imagination, dans notre tête, ça devient comme une montagne. On se dit, bah non, ça va me demander tellement, ah non, je vais remettre ça demain, je vais remettre ça demain. Et vous n'aurez pas l'énergie pour le faire. Un jour, il va arriver un événement où vous allez le faire. Là, tout d'un coup, vous allez réaliser que, ah, mais ça ne me demandait pas tant d'énergie que ça, finalement, de faire le ménage dans mon bureau. Et là, vous allez comme vous sentir déchargé d'un fardeau sur les épaules. Mais ce qui vous semblait énorme, c'est justement la quantité d'énergie que vous aviez perdue jusque-là, jusqu'à temps que vous fassiez votre ménage dans votre bureau. Je pourrais donner des milliers d'exemples. Vous descendez dans votre sous-sol et sur le bord de votre établi ou dans votre garage, vous voyez un clou qui est sorti, qui n'est pas tout à fait rentré, puis qui peut être dangereux si vous passez trop près. Alors, vous vous dites toujours, il faudrait bien que je finisse de le planter, ce clou-là, parce qu'il peut être dangereux. Mais si à chaque fois que vous passez à côté du clou, c'est comme si c'est lui qui vous voyait, hein? C'est comme si lui avait des petits yeux, puis il vous regardait. En fait, vous devenez l'esclave, puis le clou devient le maître. Vous perdez de l'énergie à chaque fois que vous vous dites, il faudrait bien que, par rapport à lui. Alors, vous manquez d'impeccabilité. Alors, pour fermer ce vortex-là, je vous suggère de prendre votre marteau, d'y en donner un petit coup. Voilà, le vortex est fermé, vous allez arrêter de perdre de l'énergie. On perd des énergies sur des choses qui sont absolument négligeables, futiles, sans importance, mais on perd de l'énergie quand même. Alors, 4, je vous suggère de fermer les vortex en période 4, la période du bilan. C'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que si vous avez promis à quelqu'un d'aller la voir cette année, puis vous vous rendez compte que vous n'avez pas eu le temps d'aller la voir encore, ben, prenez au moins le téléphone, puis dites-lui, écoute, Gertrude, je t'avais promis que j'allais aller te rendre visite, mais j'ai été incapable cette année, et là, je dois me rendre compte que je pourrais pas. Alors, avec son accord ou sans son accord, vous venez de fermer le vortex. Voyez-vous, c'est aussi simple que ça. Et si vous avez ouvert un vortex en fonction de, avec vous-même, vous vous êtes promis quelque chose, et le temps a changé, les priorités ont changé, ou peu importe, ça tombe plus bien maintenant de faire cette chose-là où vous étiez engagé de faire. C'est une promesse que vous avez faite avec vous-même, c'est un engagement que vous avez fait avec vous-même. Alors, c'est encore beaucoup plus facile de nettoyer cet engagement-là que vous avez fait avec vous-même. Prenez conscience simplement, oui, j'avais l'intention de, j'avais beaucoup de plaisir à l'idée de faire ça. Mais là, je me rends compte que mes priorités ont changé. Je décide maintenant de fermer ce projet. Et là, ne le remettez pas l'année prochaine, parce que là, vous venez d'ouvrir un autre vortex. Okay? Je décide simplement de mettre fin à ce projet-là et je le ferme. Alors, en conscience, comme ça, vous venez de récupérer votre énergie. À chaque fois que vous allez repenser à cette chose-là, vous ne serez plus en perte d'énergie. Donc, fermeture de vortex en quatrième période, c'est extrêmement important. Merci, Lucien. Une question aussi qui est revenue dans le chat, peut-être réexpliquer. Il semble que les gens n'aient pas nécessairement compris la courbe en cœur. Est-ce que tu pourrais réexpliquer, elle sert à quoi cette Oui. courbe rouge-là, en forme de cœur? Alors, cette courbe-là, en fait, démontre la fluctuation de notre enthousiasme à aller vers des nouveaux projets. C'est la façon dont je l'exprime le mieux, je crois. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est une courbe d'énergie, mais ça démontre que notre enthousiasme grandit de plus en plus à partir de notre date de naissance vers les mois qui vont suivre. Et
Plus que les mois passent, quand on arrive au sixième mois, en fait, après notre naissance, c'est là, après la date de notre naissance, c'est là qu'on est dans plein milieu de la récolte. Et cet enthousiasme-là à aller vers des nouveaux projets va commencer à diminuer, voyez-vous, parce que là, on est dans pleine récolte à ce moment-là. Et elle continue à diminuer pour revenir presque à un niveau, là, à son plus bas, à notre prochaine date de naissance. OK? C'est simplement une courbe qui nous montre cet enthousiasme, cette pulsion intérieure qu'on ressent pour mettre la main à la roue, pour faire croître les choses, pour donner un dynamisme. OK? Et il faut respecter cette courbe-là parce que, vous savez, il faut en tenir compte du moins. Il faut en tenir compte. Donc ça explique des fois, quand vous arrivez en cinquième période, là, la période d'introspection, soyez pas surpris de voir les gens qui sont en burn-out ou en fatigue chronique ou en déprime. C'est souvent là qu'on les rencontre, ces gens-là. On les rencontre dans cette période-là parce que c'est la période où ils ont le moins d'enthousiasme. Et imaginez, pour ces gens-là, par exemple, ceux qui n'ont pas semé les bonnes graines dans la première période, ça leur a pris un temps fou pour espérer qu'il y a des choses qui se passent dans la deuxième période. Quand ils viennent pour récolter, ils sont pas heureux de ce qu'ils ont semé, ils sont pas heureux de la récolte. Ils en font un bilan, ben là, ça les démoralise. Et là, suit la cinquième période. Et s'ils sont pas en fond, conscients de leur puissance intérieure, ils sont désemparés. Ils s'en vont comme dans un trou noir. Vous voyez? Alors, cet enthousiasme-là, il y en a plus d'enthousiasme à ce moment-là. La personne a plus sa joie intérieure. Quand je parle d'enthousiasme, c'est synonyme de joie intérieure aussi, vous savez.